1-2. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler du travail de David Delaplace, ses expériences, comment il a commencé la photo et les conseils qu'il aurait à donner à de jeunes photographes.
Et du coup, je vais le laisser commencer par se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle David Delaplace. Du coup, je suis photographe principalement dans le milieu du rap français, où je réalise pas mal de directions artistiques, que ce soit sur des clips, mais principalement sur des pochettes d'albums. Je fais énormément de portraits, de photos de presse, de un peu tout ce qui concerne l'image dans le rap, et depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ok, très bien. Et du coup, tu as dit une dizaine d'années. Et comment tu as commencé la photo? Comment tu es arrivé jusque-là, maintenant, à être photographe dans le rap? Et pas que, mais principalement. J'ai découvert la photo, on va dire, en peut-être 2011, quelque chose comme ça. J'avais pas d'appétence avant pour l'image. Mon frère fait un peu de musique. J'ai acheté un appareil photo et j'ai commencé à prendre quelques photos par-ci par-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec des artistes de ma ville, des artistes d'un peu plus loin, dans 91 à Grigny. J'ai commencé à taffer avec des médias et avec pas mal d'autres personnes. Et j'ai commencé à construire une imagerie assez travaillée et léchée. Et au fur et à mesure du temps, je pense que les artistes ont apprécié mon travail. Et maintenant, on est là. Ok, donc vraiment, tu n'as pas fait d'études? Non, je suis autodidacte. J'ai acheté un appareil photo et je me suis lancé. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. Et puis maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Et du coup, tu fais principalement des pochettes d'albums? Pas que. Alors je fais beaucoup de portraits. On voit, c'est mes photos qui défilent derrière. Je fais beaucoup de portraits, mais je suis de plus en plus attiré par la création de pochettes d'albums, parce qu'il y a vraiment toute une direction artistique à gérer derrière. Faire un portrait, c'est devenu assez facile pour moi, j'ai l'impression, sans prétention, parce que je connais bien mes lumières, je connais bien mon matériel. Donc faire des photos, c'est pas, quand on commence à avoir l'œil, c'est pas le plus compliqué. Maintenant, je préfère, quand je crée des décors, quand je crée des choses, avoir une image beaucoup plus esthétique et presque plus cinéma, on va dire. Ok. Et du coup, comment c'est venu les pochettes d'albums? Quand est-ce que tu as commencé à faire des pochettes d'albums? J'ai commencé à créer des pochettes d'albums en 2017, si je ne dis pas de bêtises. L'une des premières, les plus connues, c'était la cover de Jazzy Baz, Nuit, pour ceux qui la connaissent. Je pense qu'elle va passer tout à l'heure. Je travaillais pour une personne qui bosse avec Oxmo Puccino, et je les ai dépannés sur 2-3 trucs, et il travaillait lui aussi avec Jazzy. Il m'a demandé du coup de le dépanner, parce qu'ils étaient un peu en retard sur le projet. Ils avaient fait une première cover qui n'était pas dingue, donc on a construit tout le décor et c'est là que ça a commencé. Ensuite, j'ai enchaîné avec plein d'autres projets. J'ai eu cette chance d'avoir la confiance de pas mal d'artistes. Et du coup, on a de fil en aiguille, on est arrivé à, je sais pas, on doit être à 200, 300 pochettes maintenant. Ouais, ça fait un petit peu quand même. Ouais, ça commence à être pas mal. T'as roulé ta bosse dans les covers. C'est pas fini, mais c'est pas mal. Ok, du coup, quand les artistes ils viennent te voir pour faire des covers, ouais, comment est-ce que tu gères est-ce que la production, c'est toi qui gères, et comment ça se passe? Je gère tout, strictement tout. Quand on voit des effets spéciaux, de la pyrotechnie, c'est moi qui les fais. Le décor sur la cover qu'on voit actuellement, c'est moi qui l'ai construit. Je fais tout de A à Z sur un projet, parce que j'aime gérer l'entièreté d'un projet, ne pas avoir de surprises. J'ai du mal à déléguer, énormément de mal. J'ai un vrai problème avec ça. J'ai réussi à le faire il n'y a pas longtemps, mais j'ai énormément de mal à déléguer. Et donc, du coup, je construis moi-même strictement tous les décors. Je pose le papier peint, je pose chaque clou de chaque décor. Et là, c'est moi qui lui ai cramé la tête. et donc, je fais ça depuis quelques temps. Quand les artistes m'appellent, ils n'ont pas forcément d'idées sur les projets. Il y en a qui en ont, mais en général, je refuse de construire l'idée de quelqu'un. Je préfère moi imposer la mienne. Ça dépend, il y a combien derrière, mais en général, je préfère imposer mon idée. Et de fil en aiguille, au début, c'était plutôt difficile, mais avec tous les projets que j'ai réalisés maintenant, ça reste relativement simple. Il n'y a qu'avec quelques maisons de disques ou des artistes qui sont, on va dire, assez en place, et en place depuis très longtemps, quand ils ont des idées en tête, c'est assez difficile de trop les diriger. Mais en même temps, en général, c'est des artistes qui ont aussi une grosse notoriété, donc c'est intéressant visuellement de le faire. Donc on fait la part des choses. Et justement, quand un artiste il vient te voir, comment ça se passe? Comment c'est le déroulé? Il n'y a pas vraiment de recette. Il y a beaucoup d'artistes qui m'appellent et qui ne savent absolument pas quoi faire. Et donc dans ce cas-là, je vais leur donner moi une direction. Ça peut être soit des idées que j'ai eues
je sais pas, un mardi en roulant en voiture, je me suis dit, tiens, ça peut être stylé, et du coup, je le fais. Soit ça peut être des idées même que j'ai recyclées, je fais beaucoup de recyclage à l'ère de l'écologie. Du recyclage, ouais. Parce que ça peut être mal interprété. Non, mais en fait, quand je propose à un artiste une pochette, je ne propose jamais une seule idée. Je propose toujours 3, 4, 5 idées. Il en accepte une et il m'en reste 4. Et donc, ces 4-là, en général, j'essaie de les renvoyer. Ben, la cover qu'il y a juste derrière de Seven Banks, c'est une cover que j'avais proposée à la base à Dahuzi. Elle n'a pas été retenue et donc je l'ai fait avec quelqu'un d'autre parce que c'est des bonnes idées, je ne vais pas les jeter à la poubelle, ce serait dommage. Ok, et du coup toi en tant qu'artiste, comment tu te définirais en tant que photographe du rap? C'est compliqué à définir. Moi, je me vois un peu plus comme un artisan, tu vois. Je suis un boulanger. Je me lève tôt le matin pour construire mon truc, poser mon papier peint, créer ma lumière. Je fais vraiment tout seul. Donc, c'est au-delà même de juste de la photo. Je prends un appareil, je déclenche sans négliger. Oui, il y a tout le côté évidemment. Déco. Mais ouais, il y a vraiment tout le côté direction artistique, déco, construction. Et puis après, même déconstruction. Ouais, déconstruction, c'est vrai. Quand il faut retirer 400 kilos de sable du studio, je connais bien. Ok, du coup, en 2017, tu as sorti un premier livre, ouais. Le Visage du Rap. Exactement. Qui était un peu, du coup, l'histoire du rap français. C'est un reportage à travers toute l'histoire du rap. Je suis parti retrouver, en fait, tous les acteurs du hip-hop français de 1980 à nos jours étant en 2017. Donc du coup, c'est un ouvrage où on a 400 artistes qui ont participé. Et je crois qu'il fait 380 pages, 4 kilos, c'est un beau bébé. Et c'est à la suite de ce projet que j'ai eu une exposition médiatique plutôt forte et qui fait que j'ai commencé à travailler vraiment dans le monde de la musique. Ok. Et du coup, j'ai entendu dire que dans quelques jours, il y avait la sortie d'un deuxième livre. J'ai entendu parler de ça. Ah là là, il a travaillé dessus, il me dit, j'ai entendu dire, quel enfoiré celui-là. Mais du coup, ouais, tu sors un nouveau livre, c'est ça? Ouais, je sors un nouveau livre le 10, c'est vraiment tout proche. Donc, en fait, c'est un bouquin qui reprend tout ce que j'ai fait de mieux ces peut-être 10 dernières années et où je déconstruis presque chaque shooting qui a énormément d'anecdotes, de contenu additif, additionnel, des coulisses, des pochettes d'albums qui sont jamais sorties. Je connais le contenu du livre, du coup c'est pour ça. Mais dedans aussi, tu montres aussi toute la partie de lumière, comment tu disposes ta scène. Ouais, c'est ça. Au-delà des anecdotes. Il y a beaucoup de croquis de lumière, de schémas. C'est vraiment un carnet de bord plus qu'un livre d'art. Le livre d'art. Ouais, c'est ça. C'est sur ce point que je voulais. Pour les photographes, ça reste quelque chose qui peut être utile dans l'apprentissage, dans la vision pour stimuler, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'était vraiment d'essayer de représenter mon travail un petit peu différemment. Et le premier livre que j'ai fait, je n'ai pas eu cette chance de pouvoir avoir que des portraits totalement incroyables des artistes, parce que j'étais vachement tributaire du lieu dans lequel ils sont, du moment qu'ils me donnent. C'était très compliqué, il fallait tous les représenter. Je me souviens d'un shooting que je fais avec MC Solar sous un pont, il est 3h du matin, il est complètement bourré, j'ai 5 minutes. Donc, je fais des belles photos, mais j'ai pas le temps vraiment de construire une grosse DA comme sur les autres images que je fais habituellement. Et du coup, là, dans ce livre-là, je voulais vraiment montrer quelque chose de beaucoup plus artistique. Ok, du coup, est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter sur des pochettes? On va dire les meilleures, celles que tu penses être... Les meilleures. Il y a tellement. Ou par exemple, la pochette que tu as préféré faire. Dans la pochette que j'ai préféré faire. Celle de Fada, elle est passée tout à l'heure. C'est un artiste. Avec les cheveux, ouais, voilà, avec la tête en feu. Exactement. En fait, pour le projet, on a utilisé de la pyrotechnie. Et donc, j'ai créé tout un masque ignifugé. Et on l'a incendié. Donc, il est totalement dans l'eau, en train de brûler. C'était encadré par des professionnels ou... Ouais, je suis. On va dire. Totalement encadré par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. On était dans l'eau. Au pire, il y a un problème, il met la tête dans l'eau, tu vois. Mais non, c'était avec du recul. Je me demande encore comment il a accepté ce projet. parce que si je me souviens bien, tu m'avais expliqué que le jour d'avant, tu regardais des tutos YouTube. Et tu lui as envoyé les tutos YouTube en mode on va faire comme ça. En fait, le jour d'avant, je suis au téléphone avec lui en train de regarder un tuto YouTube et je lui dis t'inquiète, c'est bon, je sais comment on va faire.
Et il vient, il est motivé quand même. Non, il y a des gens sur Terre qui ont une belle détermination. Non, il a un problème psychologique. Ça a créé un très beau cliché. Ça a créé un truc vraiment fort et je suis content de ce qu'on a réussi à faire. Je pense que j'aurais pu le vendre à personne d'autre. C'est impossible. Heureusement qu'il n'y avait pas de maison 10 derrière, parce que niveau sécu, on n'y était pas trop. Et surtout, heureusement qu'on n'a pas eu de problème. Après, je suis devenu un peu plus carré sur la pyrotechnie et tout. Maintenant, il y a moins de problèmes. Mais et sur ça, on disait, parce qu'il n'était pas en maison 10, c'était plus simple. Est-ce que des fois ça peut freiner sur certains projets que tu as en tête ? Totalement. Qu'ils totalement, soient signés, que, quand tu traites avec une seule personne qui est indépendante et qui n'a personne derrière lui, c'est super facile de lui vendre un projet, de le mettre d'accord. Quand tu traites avec une personne qui est signée en maison de disque, qui a 14 personnes derrière, il faut satisfaire 14 personnes derrière, dont celui qui met l'argent. Et celui qui met l'argent, s'il a une autre idée, c'est beaucoup plus complexe. Et ensuite, il va y avoir, ben là, pour ce shooting-là, il y aurait eu des questions de sécurité évidentes qui auraient nécessité, je pense, énormément d'argent. Et ça aurait été très compliqué à faire. En plus, trouver un artiste chauve sans barbe, ça aurait été déjà compliqué, tu vois. Parce qu'il faut pas avoir de cheveux. Quand tu lui mets la tête en feu, comment tu le protèges, on va dire ? Parce que tu connais, enfin. Après, je rentre pas trop dans les détails. Non, je rentre pas trop dans les détails de ce qu'on a fait, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des petits malins qui reproduisent. Mais en gros, on a créé une genre de cagoule ignifugée. Okay. Je me suis entouré quand même de professionnels, une boutique à Paris qui s'appelle Pyrofolie. Je suis parti les voir, ils m'ont pris pour un fou quand je leur ai dit que j'allais faire ça. Et on a pris des conseils, on a pris des produits spécialisés. Je suis pas en train de lui mettre de l'essence sur la gueule et de l'allumer. C'était marrant. C'était marrant. Et du coup aussi dans les images que tu peux produire, on voit souvent du feu, de l'eau. Ouais. T'es attiré par les choses comme ça ? J'aime bien utiliser les éléments naturels. Tu vois, j'aime bien. Déjà le feu, il y a un effet. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un effet waouh dès que tu vois une image avec du feu, parce que tout le monde ne le fait pas. Moi, j'adore. Je pourrais faire que ça. Je ferais que ça tout le temps, mais après, ça devient trop répétitif dans ce que je sors, donc ça devient compliqué. Mais visuellement, c'est très impactant le feu. Et je pense que tout le monde ne le fait pas, donc ça ramène quelque chose en plus. Et après, j'aime bien créer des décors dans des milieux qui sont pas naturels, mettre un banc en plein milieu de la mer, construire des décors en plein milieu du désert, enfin plein de choses qui sont un peu pour que ça frappe un peu à l'œil. J'aime bien construire un peu poétique quoi. Ouais, il y a une poésie, mais c'est surtout créer un décalage entre ce que la réalité propose et ce qu'on peut voir sur la cover, pour que ça, tu sais, j'ai l'impression qu'on voit des images, qu'on le veuille ou non, 24 heures sur 24 au final. Dans la rue, il y a des photos partout, sur Instagram, on est constamment bassiné d'images. Et je pense que si tu veux sortir un peu du lot, faut essayer d'envoyer quelque chose qui soit un peu plus fort qu'un truc qui est faisable juste naturellement, en tout cas dans mon taf, quoi. Ouais. Ok, du coup toi t'as commencé assez jeune, t'as commencé en autodidacte. Est-ce que pour les jeunes photographes et les autres aussi, hein, tous les photographes qui sont présents, tu aurais des conseils quand tu débutes dans l'image, dans la photo ? Je pense. Tu aurais des conseils, par exemple, quelque chose que toi, tu n'as pas forcément fait et que, une erreur à ne pas produire, quoi. Je pense que le vrai conseil que je peux donner en termes d'image, déjà, c'est accepter la critique. C'est très compliqué quand on est satisfait de ce qu'on a fait et qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être plus avancé en termes de photos et qui vous dise « Ah, mais là, c'est pas très bien fait, ou il y a ça qui pourrait être fait mieux, etc. etc. » Il faut vraiment savoir accepter la critique, puisque la critique, c'est super constructif. Je pense qu'on vit dans un monde où c'est très difficile de reprocher quoi que ce soit, de donner des conseils sans que quelqu'un le prenne mal, parce que tout est devenu lisse. Mais en image, la critique, faut savoir l'accepter. C'est pour moi le seul palier qui peut permettre d'avancer plus rapidement. Et ensuite, bon courage. Parce que réussir à vivre de sa passion, c'est très, très, très compliqué. Après ça va dépendre des secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus simples que d'autres, mais c'est un milieu qui est très concurrentiel. C'est un milieu qui est mine de rien de plus en plus accessible, puisque tu as des très bons boîtiers qui coûtent de moins en moins cher, des lumières qui coûtent de moins en moins cher. Donc ça on peut le voir aujourd'hui sur les stands chez Nikon, Fujifilm. C'est ça, ouais. Pour tous les prix, tu peux débuter un peu la photo, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Je dis pas que c'était mieux avant ou quoi, je suis pas dans ce débat, mais du coup, comme c'est très concurrentiel, ça demande d'essayer de travailler un style, un univers qui pourrait se permettre de se démarquer. Ce qui est le plus difficile à faire au final en tant que photographe, trouver son style, mais je suis pas sûr de l'avoir trouvé encore, tu vois. Ouais, quand même. Ouais, il y a des trucs que j'affectionne, mais je pense que
j'aime trop de choses, donc c'est difficile. Donc, d'ailleurs, t'es un artisan, toi, ton but, c'est de créer tout seul, de faire des décors. Ouais, autant que j'affectionne faire du portrait, autant que j'affectionne, donc c'est compliqué. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va. Certains d'entre vous avaient des questions, je vais passer dans la foule. Allez, balade-toi. Poser des questions à David directement. J'ai vu des mains levées. Ah. Bah, du coup, niveau conseil, moi, je veux un conseil. pour contacter les gens, pour proposer des choses et tout, comment t'as fait au début ? Alors, au début, j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas connus. Je pense que c'est ça aussi la solution. On a tous des potes. C'est très facile de contacter des gens qu'on Instagram, Facebook. Enfin, Facebook, c'est un peu dépassé, mais sur Instagram, c'est très, très facile de contacter des gens. Le mieux, c'est d'essayer de trouver si tu veux travailler dans le monde de la musique, de trouver des artistes qui ne sont pas encore aboutis. C'est forcément, tout le monde rêve de travailler immédiatement avec Nekfeu. Mais comme tout le monde rêve, c'est beaucoup plus difficilement accessible. Le mieux, c'est d'essayer de trouver des petits artistes qui sont en train d'émerger, qui te plaisent dans l'attitude et dans le visuel, les contacter, et si ça marche, tant mieux, et tu commences à t'entraîner. Et au moins, quand tu arrives face à des maisons de disques, tu as vraiment un background et une expérience qui te permet de justifier un tarif et de pas trop te casser la gueule si jamais ce qu'ils te demandent, c'est un peu trop compliqué, quoi. Bah, j'avais une question également. C'est plutôt dans le côté professionnel, démarchage, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, c'est des mauvais payeurs ? Oula ! Sans dire de nom, évidemment. Ça, c'est le sujet. Oui, il y en a, après, pas tant que ça. Je t'avoue que moi, maintenant, je ne me prends plus la tête. Pas de règlement, pas de photo. C'est aussi simple que ça. Après, je travaille avec beaucoup de maisons de disques avec lesquelles il faut avoir des comptes clients. C'est un peu, là, on rentre purement dans l'aspect technique. Donc, je peux leur faire confiance. Quand je travaille pour, Sony ou pour Play2, c'est pas demain qu'ils vont ne pas payer. Mais quand je travaille avec des labels indépendants ou avec des artistes indépendants, soit c'est réglé le jour J, soit je livre pas les photos tant que c'est pas payé. Même des brutes, rien du tout, parce que j'ai un boîtier qui est plutôt bien, qui permet même les bases def de pouvoir les utiliser. J'envoie strictement rien, j'attends qu'ils payent. Quitte à les mettre en retard. Tant pis pour eux. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques dans le sens où tu inspires des gens dans la photo ? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive de temps en temps sur Instagram de recevoir des messages de personnes qui me disent que je les inspire. Je t'avoue, je sais pas pourquoi. J'essaie juste de faire ce que j'aime et ça me fait énormément de plaisir, tu vois. Je le constate à chaque projet que je sors. Le premier livre qu'on a fait, c'était un carton. Le deuxième, les précommandes, c'est quasiment en rupture. Donc je vois qu'il y a un élan derrière ce que je fais. Ça me touche énormément, mais j'ai du mal à comprendre. Syndrome de l'imposteur, peut-être. J'ai une question juste là. Attends, je me décale. Est-ce que vous conseillez de faire deux styles de photos ou de se focaliser uniquement sur la photo d'artiste pour essayer de développer son style là-dedans ou... Alors, je me remets là parce que je ne sais pas si sur les caméras, c'est mieux ici. Hein. On est en France et en France, quand tu es dans une case, c'est beaucoup plus facile de t'en sortir. Moi, je fais énormément de choses. Je travaille pour des marques de moto, j'ai shooté des personnes qui n'ont rien à voir avec le rap, Jean-Paul Gaultier, Agathe Proulx, enfin plein de trucs. J'ai travaillé pour le musée Grévin, j'ai fait énormément de choses qui sont totalement différentes, sur lesquelles je communique absolument pas, parce que c'est pas déjà forcément là où je veux aller, et parce que c'est beaucoup plus facile de te mettre dans un créneau et de foncer dedans, quoi. Après, je me l'explique pas, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voulais savoir ton rapport avec tes sujets, avec tes, entre guillemets, les artistes qui sont tes clients, mais aussi est-ce que tu instaures un rapport amical avec eux, ne serait-ce que pour les mettre à l'aise, ou entre ton début de carrière et maintenant, est-ce que maintenant tu es plus détaché, plus professionnellement ? Bah, tu fais ce que tu as à faire. Alors, non, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. C'est des gens en plus que je croise que dans des bonnes conditions. On se voit en concert, on se voit sur des clips, sur des moments qui sont plutôt festifs. Donc, il y en a 2-3, c'est devenu des amis, on mange ensemble, ils connaissent mes enfants. Mais sinon, pour le reste, tout est forcément facilité par le temps. Et ils sont plutôt cordiaux.
Mais sinon, non, j'essaie de pas trop avoir... Quand tu as trop de rapports avec un client, ce qui est complexe, c'est les devis suivants, tu vois. Quand ça devient des poteaux, ouais, mais tu peux m'arranger là. Et à partir du moment où tu as arrangé une fois, eh ben, ça devient une base et il faut que tu arranges une deuxième, une troisième, une quatrième. Et c'est... Ah, je suis pas trop pour ça, moi. J'aime bien quand les gens payent cash. Une question ? Et peut-être une dernière question, comment on fait pour obtenir ton livre alors ? Le livre est disponible en précommande pour l'instant uniquement. On va avoir un peu de retard sur les magasins parce qu'on a eu un peu trop de commandes sur le site. Donc on a mis priorité au site. Donc il est disponible sur mon site de laplace-shop.com et je le remettrai en story si les gens veulent. Et il sera disponible Fnac, Cultura, chez les libraires, Amazon, à peu près partout à partir du 23 si je ne te dis pas de bêtises. Normalement, c'est accessible. Ça devrait être à peu près partout. Il est dans ta bio ? Ouais, voilà. Tu vois, il réagit pour moi. C'est à quel moment que tu as commencé à te considérer comme directeur artistique, au-delà de photographe ? Quand on a commencé à m'appeler pour ça. Réellement, moi, je faisais des covers comme ça et on a commencé à m'appeler. Il y a beaucoup de clips où je fais juste de la direction artistique et j'en parle même pas. Mais par exemple, le dernier de Vakra, Nemon, il m'appelle et moi, je fais toute la DA du clip et je m'en vais et puis ça me va très bien. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai vraiment jamais pris le pas, moi, de me définir autrement que ce pourquoi les clients m'appellent. Donc, je suis devenu graphiste quand on m'a demandé de faire du graphisme. À partir du moment où ça m'a payé, je suis graphiste et pareil pour la direction artistique, tu vois. Et pareil pour la photographie, du coup. Ouais, pareil pour la photo, pareil pour tout. Moi, je suis pas trop. Il y avait une question par là. Ouais. En vrai, vous êtes beaucoup. Hein. Salut. Ça va ? Ouais, très bien, merci. De la même façon que tu arrives à inspirer les gens, comment est-ce que toi, tu fais pour être inspiré et d'avoir ces concepts créatifs, comme par exemple la tête du mec qui part en feu, tu vois ? Mais en fait, je crois que je m'inspire de tout. J'essaye de regarder, d'acheter beaucoup de livres d'art. En ce moment, je suis sur Magritte. J'ai acheté trop de livres sur Magritte. C'est incroyable ce qu'il fait. Et du coup, il y a un décalage que j'apprécie et que j'aimerais imposer un peu plus dans mes covers. J'essaye d'être très détaché d'autres photographes pour pas. Si je suis trop de photographes et que je suis à fond sur leur taf, je sais que ça peut m'inspirer même malgré moi et j'ai pas envie un jour de me réveiller avec une idée de génie. En fait, je l'ai déjà vu sur quelqu'un. Donc du coup, je m'inspire beaucoup dans la 3D et dans la peinture. Parce qu'en 3D, il y a des choses qui sont faisables. Par exemple, l'image avec du feu, c'est une image qui est assez récurrente. En 3D, tu peux voir souvent des choses similaires. Donc nous, on l'a adapté, on l'a mis dans l'eau, enfin, on a aménagé un peu à notre sauce. Mais j'essaie de m'inspirer de d'autres milieux, en fait. Et le mieux pour ça, les musées. Il faut aller au musée, les jeunes. Et pour rebondir sur ça, est-ce que, par exemple, est-ce que tu prépares, par exemple, des scénographies que tu as d'avance pour pouvoir les vendre ensuite ? Ouais, totalement. C'est ce que je disais à peu près tout à l'heure. Il y a souvent des moments où je suis en voiture, où je me balade, où j'ai une idée, je la note, je me fais des notes vocales à moi-même. Et où est-ce que tu vas récupérer tes inspirations, par exemple ? Imaginons, tu as une idée en tête. Où est-ce que tu vas aller chercher quelque chose qui va ressembler ? Alors, le premier lieu, ça va être Internet. Hein. Je vais essayer de regarder déjà si ça n'a pas déjà été fait, d'essayer de mettre des descriptions assez poussées pour voir que ce ne soit pas... surtout sur des covers d'albums. Si je fais une pochette d'album et qu'il y a un gars qui l'a déjà sorti quelques temps auparavant, c'est un peu chiant. Quand c'est des concepts très simples, un portrait, il n'y a pas de souci, parce qu'un portrait, c'est relativement simple. Mais quand on essaye d'envoyer des grosses DA, j'essaie de m'assurer que ça n'a pas déjà été fait. Et ensuite, je vais sur Internet et j'essaie de trouver des images qui pourraient, quand je fais mon mood board, laisser penser au client ce que ça pourrait donner, en m'assurant de ne pas trouver l'image exacte de ce que je veux faire. Parce que si je la trouve, c'est que ça a déjà été fait et après, ça ne m'intéresse plus. Ok, est-ce que quelqu'un a une question ? Ouais. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. J'avais une petite question du coup, avec l'ascendance des IA, des intelligences artificielles, tout à l'heure tu nous disais à quel point c'était compliqué de faire des DA par exemple quand t'as mis la tête en feu du mec, etc., etc. Est-ce que tu penses que tu vas t'adapter à ce genre de technologie pour certains shoots ou pas ? Ou est-ce que tu veux rester un artisan ? Ouais, non, moi je reste un artisan. J'ai rien contre l'IA, je trouve ça très cool, ça ne m'intéresse pas forcément.
Et j'ai envie de te dire que la grande distribution n'a pas empêché la petite boulangerie de quartier de continuer à faire du bon pain. J'ai vraiment pas peur de ça. Je pense que les gens qui ont peur de ça, à mon avis, c'est plus des personnes qui ont peur de manquer de travail. J'ai la chance d'en avoir. Je le vois plus comme un outil qui peut nous aider, même si pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais je le vois pas comme quelque chose de compliqué ou tu vois, à moi-même je fais déjà le travail d'un chef déco, d'un éclairagiste, j'ai volé le taf de tout le monde, je fais tout seul, je vais pas me plaindre de l'IA, mais j'ai pas trop d'avis là-dessus encore, je m'en suis jamais servi, peut-être que ça viendra, mais je préfère créer des choses. Et ce qui me plaît le plus en fait, c'est à la fois de créer la cover et de montrer ce qu'on a pu faire, mais aussi de sortir les coulisses de cette cover, parce que c'est là où ça prend un autre impact. Quand on voit par exemple la photo que je citais tout à l'heure de Fada où il crame, les gens la voient, ok c'est très bien, mais quand tu vois la vidéo juste derrière où il est dans l'eau et il y a un mec qui lui met un bâton sur la tête et qui l'allume, ça prend trois fois plus. Et donc ça on pourra jamais le faire avec INIA, en tout cas pas pour l'instant, et je préfère rester artisan. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière. Ouais, c'est une dernière question apparemment. On est en train de nous censurer, mec. Ouais, bonjour. Vous êtes en retard et on nous censure. Merci pour la conférence. Avec grand plaisir. Je me demandais, est-ce que tu aurais des conseils pour la direction de modèle pour faire poser les gens? C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, surtout quand ils n'ont pas trop l'habitude. Alors, je t'avoue là-dessus, je suis vraiment nul, mais d'une force. Mais c'est bien, parce que ça vous montre à quel point ce n'est pas le plus important. Moi, la plupart des gens avec qui je travaille, je ne les dirige pas. Très peu, ça va être vraiment de la position de visage, deux, trois choses comme ça. Le mieux, j'ai travaillé beaucoup dans le sport. Je fais beaucoup de campagnes pour Adidas, pour plein de trucs, pour des clubs de football. Le mieux, c'est de préparer au pire des feuilles de pause. Nous, c'est ce qu'on faisait. Donc, on faisait un catalogue avec des feuilles de pose que tu peux mettre soit en papier, soit sur un iPad. Et puis, tu montres des poses et il n'y a plus qu'à les reproduire. Dans tous les cas, tu ne vas rien inventer. Tout a été fait. La photo existe depuis des centaines d'années. Avant que tu trouves une pose novatrice, il va se passer un peu de temps. Donc, le mieux, c'est d'essayer de trouver des poses qui sont intéressantes, qui vont aussi avec le modèle. J'ai en tête plein de photos que des rappeurs ont faites. Ils auraient dû éviter. Et donc, trouver quelque chose qui va avec la personne, lui présenter, il teste. Et puis, voilà. Mais moi, je suis vraiment dans ce truc où je préfère les gens leur laisser faire et tu vois, les diriger très légèrement pour une question de lumière, un reflet dans les lunettes ou quelque chose comme ça, ou deux, trois basiques que j'ai en tête, mais sinon, on ne prend pas trop la tête avec ça. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, merci à vous. Bah, du coup, on va pouvoir se retrouver juste en bas. Si vous voulez discuter. Mais juste avant, j'avais une dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour la photo et pour moi, j'utilise Fuji. Et tu vois, c'est lui, il dit on arrête les questions et on relance. Non, moi j'utilise le GFX 100 de Fuji parce que c'est merveilleux. Voilà, c'est tout. Merci Fuji. Et en lumière, pro photo évidemment. Parfait. Allez. On peut se retrouver en bas. C'est lui, il est corpo, hein, tu vois comment il est corpo. Parfait. Merci à tous.